Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 46e épisode donc sur roller coaster. Vous voyez, je vous parlais dans l'épisode d'avant de roller coaster et je suis parti sur roller coaster, mais non, Planet Coaster. J'aurais même bien fait un monorail, tellement on est loin là. Oh, doucement. Alors attendez, il y a un problème. Oui, c'est ça mon problème. Tac, tac. Voilà. Et là, ça va par contre jaser. C'est pas Enter? Non. Bon. Je suis obligé de cliquer, soit. Waouh. Là, on est très haut, hein. Pour la réparation, ça va pas être top du tout, mais soit. Crois qu'ils ont vraiment envie de venir. Voilà. Hop, ça c'est fait. Attendez, est-ce qu'on va l'ouvrir? On doit la tester d'abord. Pour avoir les résultats, on va dévoiler les recherches. Tout le monde debout. L'énigma. La vitesse ébouriffante. Le looper. Et la flore alpestre. Bon, ça, c'est qu'une région, c'est pas grave. Ok, donc maintenant, on n'a plus que nos fameuses montagnes russes à faire. Et elle a l'air trop cool celle-là. Alors combien de mètres elle fait celle-là? Mille mètres, ok. Normalement donc on devrait. Ah! C'est pas possible. Il va falloir que je monte la vitesse des treuils. Normalement, je crois que je peux faire ça. Non, c'est pas ça. Zone de freinage. Normalement, je crois que je peux faire ça. Si je me trompe pas. Ah non. Ah, je suis dégoûté. Bon. Bon, après, ça n'est qu'une personnalisable. Est-ce que ça vaut? Ça vaut vraiment la peine de se casser la tête pour ça? Je ne crois pas. Franchement. Voilà, ça c'est fait, je l'ouvre. Ou alors il fallait peut-être l'ouvrir d'abord. On verra. Et évidemment, on va y mettre un passe-prio. Voilà. Bon. Espérons que ça aille. J'ai pas l'impression que le monde est intéressé par ça ici, hein. Bon. Alors, les objectifs, si je comprends bien. Au moins 5 en enthousiasme, j'ai. 6 en osée, je dois avoir. Pas plus. Au moins, j'ai. Mais la vitesse moyenne de 25 au minimum. Ça, c'est. Un petit peu embêtant. Construire des montagnes russes. Ouais, donc celle-ci, j'avais pas la longueur. Là, j'ai la longueur, mais j'ai pas les kilomètres heure. Au minimum.
Ça c'est plutôt embêtant. Et je suis sûr qu'on est dans la capacité de le faire, mais comment? Ah. Priorité élevée, bien sûr, hein. Non. Alors il faudrait... Ça voudrait peut-être dire que je dois l'enlever. Non? C'est pas. Ou alors que je mette une spéciale. Encore une fois, à nouveau. C'est vraiment du chipotage. Ça va être chipoté pour essayer de trouver celle qui est bonne. Mauvaise, malheureusement. Et il doit avoir certainement la bonne dans celle-ci, celles qui me sont proposées, ça c'est quasi sûr. Mais on voit pas les stats. Information. Aperçu. C'est ça le problème, vous voyez? Bah c'est ça mon problème du coup. What? Elle est pas grande, hein. À mon avis. Ou quelque chose qui coûte très cher. C'est un peu péjoratif, mais oui. What? Le style Vengeance, peut-être. Non. Mais je crois que ça doit être l'impulse qui va sauver mon... C'est pas ça que j'ai mis? Je ne sais plus maintenant. Je crois pas que c'est... Ouais. Voilà. Bon, zéro décor, donc... vous vous doutez bien qu'ils sont pas super fans d'y aller. Mais bon, surtout qu'il y a énormément de routes. Donc, il va falloir que je place une attraction ici, mais... Waouh, attraction. C'est pas montagne russe. L'impulse. Comment voulez-vous que je la mette? Sérieusement. Ou alors j'aurais peut-être dû la mettre à la place. Ici. Construction. Ok. Fonds insuffisant. Donc, il y a moyen. Moi, je dis, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Oula. Les gens... Effectivement, ouais, on est à 1500, presque 1600 personnes, donc ça se ressent directement. Les gens sont un peu plus grognons. Tech. Un petit peu de marketing. Ça va faire du bien. Alors, le torque. Ou le torques, c'est au choix. Alors, da pam pam. Les recherches. Normalement. Ouais, voilà. Ouais, ça fait énormément de recherches pour... Franchement, est-ce que ça vaut la peine de claquer autant de sous?
Alors, ça va, ça passe. Mais je pense qu'on va leur mettre tatum tatum. Ouais, j'avais mis un peu plus, ok. Le reste là-bas, est-ce qu'ils sont... Il y a du monde, hein, mais malheureusement, il y a énormément de routes, donc... Ça, c'est le problème. Après, je peux encore me permettre... C'est parce que j'ai pas fait un plat. Si j'avais fait un plat, ça aurait été bien. Un genre ici. Voyez? Genre comme ça. Tac. Wow. Non, pas du tout en fait. On est beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas. Bon. On va le refaire. C'est incroyable, hein. Il faut savoir. Ouais. Savoir jauger le la hauteur de notre attraction par rapport aux autres, hein. Je crois que ça doit être à peu près ça. On va la reculer un peu. Un peu, mais complètement à côté en fait, hein. Oh, j'y arrive pas. Ça va me saouler. Autant vous le dire. Voilà, un truc dans le genre ici. C'est déjà mieux, je suis pas vraiment satisfait, mais soit. On va essayer de faire ramener un peu là. Eh? Ah oui, d'accord, autant pour moi. Voilà. Faut évidemment ramener un peu plus de monde, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Super. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez de... Eh? Ok, voilà. C'est vraiment pour dire deux. Hop là. Non, il n'y a pas de... Désolé. Non, je vais pas activer les passes prioritaires, ça ne sert à rien. Toc 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 toc. Désactiver les passes prio. Voilà, bon. Oui, alors, je suis pas sûr de... Comment dire, de la viabilité du projet ici, mais il faut absolument que j'arrive à faire venir des gens ici, hein, parce que vous voyez que c'est une superbe attraction et malheureusement... Personne n'est là pour la avoir. Hop là, 2. Anubis. Et le rival, ok. Je suis où? Golem enragé. Je vais chercher. Moi de... Oula. Les FPS sont descendus en flèche. Le golem enragé. Voilà.
C'est génial, mais ouais, soit. Ok, non. Là, voilà. Alors, je l'ai. Donc c'est ce que je pensais. Je disais donc, c'est bien ce que je pensais. Il y a une attraction qui est déjà toute faite. Casser la tête. Dex RS2. Ok, bon. Je sais pas si je vais devoir relancer le jeu par contre ou pas. Mais ça peut. Tanurus. Un des peu. Il est là. Il est là. Alors attendez, parce que les mecs, ils sont. C'est des génies, hein, franchement. On peut pas appeler ça autrement. Parler de la mettre au milieu, eux carrément. Bon, je sais pas, je vois pas où et comment, mais soit. Point suffisant, voilà. C'est juste une question de temps maintenant avant de posséder le l'or. Donc ça, c'est cool. Des recherches, on va éviter trop de recherches. Voilà, le reste après. Pourquoi je perds des sous? On va arrêter le renouvellement. Attraction et boutique, je crois que c'est un. Ouais, c'est un panda. Ça, c'est bon. Et je crois que ma coaster, elle perd. Bah non, elle gagne de l'argent, tiens. En panne aussi. Ok, bon. Bah, c'est juste à attendre maintenant, a priori. Pas
Parce que je sais pas pourquoi, mais il n'aime pas. Vraiment pas. Quand je suis ailleurs. Alors, au niveau des employés, qu'est-ce que ça donne? Hein? Ah, je pense que je vais devoir mettre à 340 du coup. Regarde, ça va. Enfin, le mécanicien, il est tout seul. Ah, un peu beaucoup pour lui, non? Non, c'est un. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hâte 15, 10. Voilà. Je vais peut-être devoir régler le problème de pickpocket. Ça, c'est. La gestion du parc, elle m'a coûté moins 8 000. Donc, ouais, effectivement, je suis en. Je suis en malus. Je me demande même si je fermerai pas l'une des deux ici. En panne, ok. Je vais engager un deuxième. Employé. Tac. Mécanicien, voilà, le malheureux. Je peux pas l'inclure dans la. Ok, c'est ça. Ok. Employé, mécano. 140, et puis on va le mettre en rang 3 aussi. Ça va peut-être lui faire du bien. Ah, ce steamwork, qu'est-ce que c'est beau. C'est magique. Ah, niveau 2, comme ça c'est fait. Là aussi en panne, d'accord. Et là, je crois qu'il n'y a personne. Ok. 1 800 000, 1 million. J'ai l'impression qu'on perd de l'argent, c'est incroyable. Qu'est-ce qui me. Perdre de l'argent, waouh. Attention. Là, je comprends pas trop. Pourquoi et comment? Mais on perd de l'argent, ouais. Bon, hop. Toi, supprimer. Toi, supprimer. Oh là, les mecs. Je pense qu'ils vont. Ils vont pas rigoler. J'espère qu'il y a. Bah ouais, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire, j'espère qu'il n'y a pas de gens dessus, mais si. Allez hop, on va tout démonter. Démanteler, si on peut se permettre aussi. Delete? Non, bon.
Voilà. Attendez, 15 millions. C'est déjà beaucoup mieux. Bon, bah, désolé pour vous, les mecs. Voilà, je crois qu'ils sont tombés. Je sais pas si ils ont survécu, mais bon, je vais pas dire que c'est pas mon problème, mais à peu près. Voilà, on efface tout. Ça va nous coûter nettement moins cher, j'ai l'impression. Oula, pourquoi on a perdu autant? Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont pas contents. Voilà. Ça c'est fait. Alors, montagne russe. Puis plan. 14. Tout juste, attention. On va essayer de vite le placer celle-là parce que. Tac! LOL! Alors, ça, c'est une blague. Vas-y. Vas-y, 14, 14, 14. Vas-y, go, je compte sur toi. Ah non. Vous savez ce qu'on fait alors dans ces cas-là? Tac. Tac. Voilà. C'est qui le patron ici? Merci. Ah ouais. Il paraît qu'il faut mettre juste celle-là et on gagne. Bon. J'attends de voir. Hein. Pas traîner aussi. Hein? Boum. Voilà. On va tirer son plan pour la route, bien sûr. Alors, bien sûr, il faut qu'on place l'entrée et la sortie d'abord. Comment je vais faire ça? Alors. Je peux essayer de repiquer par là et de repartir par là, mais pas sûr que. Voilà, on me laisse y aller tranquillement de ce côté-ci. Ou aussi. En tout cas, facilement, voilà. Voilà, ça c'est pas grave, on s'en cogne un peu. Longueur, 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 on va faire par 5. On va gagner un peu plus de temps. Je peux encore rejoindre ici, tiens. Voilà, bon, ah, ça c'est pas cool par contre. Voilà, boum. On est relié. Oh là 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 là. Ici, normalement. Relier la sortie ou l'entrée, je ne sais plus. J'ai un peu perdu mon. On va essayer de vite la construire hein, parce que je connais le truc ici. Dans 2 secondes, j'ai plus d'argent. Voilà. Et voilà. Médaille d'or, merci à toi de m'avoir fourni cette attraction. Voilà. Et on va donc passer à la suivante. Retour au menu principal. Et on va se laisser donc là juste après. Et j'ai bien fait parce que j'avais plus que 1022 personnes. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Voilà, on va jouer. Ah oh, promotion, vous avez atteint le rang de maître bâtisseur. J'ai rien fait du tout.
carrière, évidemment. Bac à sable, c'est quoi? Par terre, la conquête des environnements vierges et laisser le libre cours à votre imagination. Ça, on fera certainement un épisode là-dessus pour, comment dire, créer des choses nous-mêmes. Et peut-être même les mettre sur le Steam. Alors, on a terminé. Et nous sommes, du moins, au micmac scientifique de Derex. Dex-R, plutôt. Et alors, au vu des rentrées financières décevantes, les franchisés de ce parc futuriste envisagent de renoncer à leur engagement à nos côtés. Regagner leur confiance en tirant le maximum de vos boutiques et services. L'aménagement et la politique tarifaire feront la différence. Faites en sorte d'attirer des investisseurs dynamiques dans vos boutiques. Bon, en gros, faites-les cracher. Allez. Et après, il nous reste, en gros, 9 scénarios à faire. Et on aura déjà fait la campagne principale, pas à fond, bien sûr, mais on l'aura déjà fait. Faites, pardon. Oula. Ah, CTRL W, ça c'est bon à savoir, pour annuler une action. Ça aurait été bien de le savoir tantôt, malheureusement. Alors, on peut faire du terrain. Ça, c'est bien. On peut peut-être, je dis bien, ajouter un emprunt. Ça, c'est bien aussi. Alors, c'est ici qu'on va cesser. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, merci. Bye bye.